Sur ce terrain de football de la ville de Grand-Popo au Bénin se déroule un grand événement sportif. Pendant une semaine, vont s'affronter des équipes composées d'élèves de moins de 16 ans, filles et garçons venus de tout le pays. Il s'agit d'un projet pilote entre la FIFA, la Fédération béninoise de football et le ministère des Sports du pays. À partir du moment où la vision de la FIFA, c'est de rendre le football véritablement global, il faut qu'on soit partout. Après, en Afrique, on a parfois une difficulté qui est que les réseaux d'associations de clubs ne sont pas forcément concentrés sur ce qu'on appelle le grassroots ou le football amateur, le foot de base, le football de masse. Et donc, une opération comme celle-ci, avec l'accompagnement du gouvernement béninois et du président Talon, est une opération importante parce qu'elle nous permet de capter les jeunes dès l'école. Et avec l'école, on peut organiser ces petits championnats qui nous permettront peut-être demain de détecter les talents de demain, qui participeront aux équipes nationales dans une dimension plus de football d'élite. Le projet fait des heureux parmi ces jeunes et suscite aussi des vocations de footballeurs, mais pas seulement. Certains de ces jeunes joueurs rêvent d'une carrière comme arbitre. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, pour ce tournoi, je pense que ce tournoi nous amène à grandir dans le jeu du football. Oui, ça m'aide d'évoluer, de montrer notre talent, de faire un bon jeu pour l'équipe de FIFA. Ma mission, c'est d'être un arbitre FIFA et reconnu par tout le monde entier. La finale de cet événement sportif aura lieu le 30 juillet.